Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't walk away. 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 Don't walk away. Ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis très content de vous retrouver. Bon, on est à Centre-Auto et là on va faire l'essai d'une Fiat 500e, ça vient d'arriver en Martinique. Et attention, normalement on peut même pas encore les essayer, donc là ça va vraiment être exceptionnel. Et je vous avoue que, je vais vous dire un truc, c'est que de base, j'avoue que moi vous savez j'ai ma Mini, tu vois. Et là le but c'est de me dire, est-ce que je vais être convaincu par une Fiat 500e? Mais j'ai déjà regardé un peu, j'avoue que ça a l'air vraiment intéressant comme véhicule. Et je vais commencer par vous montrer quelques images d'une version grise. En fait, ils sont prima. Je vais se voir, c'est magnifique. Arrive, t'entends même pas le bruit quand elle roule, et comme sur un nuage, c'est vraiment sympa. Du coup, à bord, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment de la place. On a ce volant, ce qui est bien, c'est que hop, en bas, on est à assez place, ce qui permet d'avoir de la place pour les jambes. Système compatible Android Auto et CarPlay sans fil en plus. Donc voilà, ça c'est bien, c'est électronique. On a aussi un deuxième écran, du coup, face au conducteur. Excellent. Et on a même de la place derrière, voilà. Parce que avec ces Fiat 500 électriques, elles sont un peu plus grosses que les Fiat 500 de base. Et c'est vrai que c'est très sympa. Allez, on démarre. Pas de bruit, évidemment, puisque c'est de l'électrique. Et let's go. Parking, marche arrière, neutre. Et drive. Et drive. Ok, c'est parti. Ceinture comme d'habitude. Toujours mettre sa ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Le GPS, est-ce que tu sais à peu près l'autonomie que tu as? Alors, sur à peu près ce véhicule, j'ai dit toujours, condition Martinique, entre 250 et 300 km d'autonomie. Ah, mais ça va. En fait, en Martinique, normalement, comme on fait que des petits trajets. Exactement, donc c'est largement suffisant. Exactement. D'autant plus que lorsqu'on s'arrête, il y a la charge régénérative. Exactement, et lorsqu'on freine aussi le véhicule, il est dans les phases de descente. Et pareil, niveau puissance, je sens que c'est... Elle est bien vive. Elle est nerveuse. Elle est nerveuse. Le couple, il répond tout de suite. C'est ça. Pour l'instant, comment très, ça se passe? Très, très agréable à conduire. Le volant, il est vraiment... Il s'adapte avec la vitesse. Donc là, il est vraiment souple. Il est vraiment... Il est pas rigide. Il est précis aussi. Bah, pour le coup, on dirait une petite sportive. Ouais, clairement, on dirait une petite sportive. Là, j'accélère, je suis déjà à 50. À peine appuyé sur la pédale. Moi, je suis un gros geek, hein. J'adore tout ce qui est technologie et le côté technologique, le côté d'avoir le côté voilà, high-tech. Je veux dire, aujourd'hui, si tu veux une voiture la plus high-tech possible, il faut que tu prennes un véhicule électrique. Ça, c'est le détecteur d'angle mort. Et c'est pour ça qu'il y a un petit truc triangulaire orange qui s'allume sur le rétro. Ah, c'est bien fait ça. Pour prendre un véhicule, au moment où tu te dépasses, tu as le détecteur qui s'enclenche. C'est bien ça, ça rajoute de la sécurité parce qu'effectivement... Exactement. Non, ça va, il y a beaucoup de visibilité. En fait, le véhicule est, j'allais dire, petit, ça reste un petit véhicule. J'aime bien aussi la façon dont ils ont fait la boîte auto, dans le sens où il n'y a pas de levier, voilà. C'est des boutons à appuyer et ça aussi, ça donne un côté presque jeu vidéo en fait. Exactement, et le chargeur en induction, en déposant le porteur. Et ça avec le sans fil pour le Apple CarPlay. Tu poses ton téléphone, tu mets là, t'as ta musique directement qui arrive, t'as ta playlist. Non, vraiment. Ben, ayant déjà conduit plusieurs fois des Fiat 500 tout court, elle est plus confortable. Je pense qu'elle est plus lourde aussi. Oui, elle est plus lourde. Mais du coup, ça lui donne plus d'appui et d'assise. Exactement.
Et je sais qu'Arnaud trouve que les Fiat 500 de base font un peu féminin comme véhicule. Et celle-là, elle a vraiment un air un peu plus méchant avec les phares et tout. On dirait vraiment une version sport. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Fiat Abarth 500 qui vont sortir dans un futur assez proche, ce seront des électriques. Donc ce seront basés sur la Fiat 500e. Et je pense qu'ils ont fait ça parce que techniquement, même Tesla, par exemple, les véhicules Tesla, ils arrivent à tenir tête, attention, que sur un démarrage, mais ils arrivent à tenir tête à des Lamborghini, etc. Parce que les voitures électriques, elles ont la pêche en fait à bas régime, qui fait que oui, tu peux soulever pas mal de véhicules. Et la Fiat 500e, elle en fait clairement partie. D'ailleurs, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'haut-parleur pour ajouter des bruits. Quel genre de bruit? De moteur. Non. Mais justement, les électriques, les clients, ils vont chercher, alors certes, l'économie en termes de carburant, mais aussi un silence. L'avantage d'avoir un véhicule électrique, c'est un silence complet. Mais vraiment. Mais totalement. J'ai l'impression d'être dans une auto-tamponneuse à droite. Un vaisseau spatial. Ouais. Non, vraiment bien. Vraiment. Je suis très, très, très surpris. Voilà. Voilà, c'est quoi les e-mode? Alors e-mode, c'est les modes de conduite. Donc on a un mode normal, un mode range et un mode Shiva. Donc d'accord. Ça permet de réguler le recul du véhicule. Tu sais, quand tu as une voiture électrique, oui. Le simple fait de retirer le pied sous la pédale d'accélérateur, le véhicule freine. Oui. Sans utiliser les plaquettes. C'est-à-dire sur un ralenti, sur un frein moteur. Et en même temps, ça recharge. Et ça permet justement au véhicule de recharger lors du freinage. D'accord. Voilà. C'est intéressant ça aussi. Bah, ça rajoute de l'autonomie. Exactement. Alors aussi, je crois qu'elle a une boîte à gants avec UV. Bah, c'est cette boîte à gants là, mm-hmm. où on peut mettre un téléphone dedans en fait. Enfin, un téléphone ou autre chose. On ferme le clapet et en fait, ça va désinfecter les appareils. Exact. Et c'est bien renseigné. Et c'est une option justement de la version Prima qui est intéressante. Tu as vu aussi le petit détail où on ouvre la poignée de porte juste en appuyant. Oh, j'avais pas vu effectivement. Pour ouvrir la porte, c'est pas... Il n'y a pas de... Il y a toujours en mode unlocking, pas en sécurité, juste en bas. D'accord, il y a un locking, oui, effectivement, par sécurité. Mais c'est directement électrique. Oh, c'est marrant, ça. Bah, après, c'est un véhicule électrique, donc c'est cool, voilà. En fait, quelque part. C'est ce genre de petite technologie supplémentaire qu'on apprécie, en fait, sur le véhicule. Exact. Bon ben voilà, un grand merci à Centre Auto pour leur accueil, particulièrement Ludovic Vigilant que vous pouvez contacter d'ailleurs par téléphone au 06 96 28 51 44. Je vais vous écrire en bas dans la vidéo. Vraiment, il s'y connaît très très bien sur ces véhicules, il va vous dire tout sur la Fiat 500e. C'est vraiment un très bon véhicule électrique. Je ne m'attendais pas à ça, il y a vraiment un step up par rapport au Fiat 500 de base. Et même en termes de finition, c'est vraiment un véhicule haut de gamme et très très agréable de conduire, enfin comme vous l'avez vu avec nous. Sur ce les amis, je vous laisse, vous dis à tous les otaku, merci beaucoup de m'avoir suivi, encore un grand merci à Centre Auto pour leur accueil, ça fait vraiment plaisir, et à bientôt sur Otaku Game préféré. Ciao, bye bye.